Salut à tous la grande famille, on est de retour aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la troisième vidéo. Celle-ci, elle va être incroyable. Vous allez voir l'invité qu'on a aujourd'hui. Quel invité! Vraiment, je suis super content de pouvoir recevoir ce joueur ou cette joueuse. Et maintenant, on va découvrir le joueur ou la joueuse. Aujourd'hui, on se retrouve avec une joueuse et pas n'importe laquelle, Elisa d'Almeida. Bonjour à tous, Elisa d'Almeida. Grand honneur de recevoir Elisa qui joue au PSG, donc en D1 féminine. Quel poste? Défenseur central. Comme moi, on aime bien ça. Et alors, vous avez fini quelle place cette année? Deuxième? Ouais, deuxième derrière Lyon. Ok, l'objectif de l'année prochaine? Première, évidemment. Et avec une Ligue des Champions? Ouais, bah oui, ah, hein, c'est sympa. Hein. Si on fait le triplé, ouais, carrément. Super. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Aujourd'hui, on se retrouve avec JMK, apparemment le gardien le plus technique. C'est ouais, ça, hein? C'est ça, hein? Ok, bon, on va voir aujourd'hui. T'es gardien de but, ouais, donc tu vas nous faire des relances. Ok. Nous, on va devoir frapper. Des bonnes relances ou des mauvaises relances? Ça, c'est à ta guise. Sachant que t'as quelqu'un, c'est son métier quand même à côté. Okay. Non, mais. Okay. Donc, nous, si on frappe en une, si on marque en une touche, ça vaut 2 points. Ok. Et si on marque en 2 touches, ça vaut 1 point. Le premier arrivé à 7. 7. C'est bon pour toi? Okay. C'est bon pour toi? C'est bon. Mademoiselle. Bon match. Pardon. Excusez-moi, j'ai les gants. Bon match. Allez, c'est parti. Allez, let's go. On va commencer avec moi. Voilà. Pas de galanterie, hein. Ça fait 1. Quel soulagement. Tout de suite. Sors là, JMK. Non. On a mis un vrai gardien. C'est la première fois que j'en rencontre JMK. C'est un très bon gardien. Allez. Oh le bâtard. Tiens, 2-0. Soulagement. Je suis remonté, moi. Oh putain. Oh, tu as ramené un chat, gros. Tu sais que j'avais dedans. Mais il bouge pas de... Tu vois? Attends deux minutes, JMK. Tu penses quoi du gardien? C'est fort. C'est fort? C'est fort. Ça va être compliqué, là. Jusqu'à 7. Allez, allez, Lisa. Non, je vais me plaquer. Ouh! Non, t'es pas dedans, il y a 2-2. Bon, je passe, je triche pas. T'as eu l'opportunité de tirer en une touche déjà? Non, je triche pas là-dessus. Ouais, j'ai eu l'opportunité de me briser une hanche aussi, on est bien d'accord. Oh, c'est ça mon problème, putain. La lucidité. Oh! Non, oh, là, là, elle me nargue! Elle me nargue, moi! Mais attends, c'est vous d'être en train de me narguer! Nargue aussi! Ouais, non, tu mets 2 points directs et. C'est pas la lucarne, c'est pas tout de suite parce que là on est à 3-2. J'attends d'être à 6 points ou à 5, non, à 5 points parce que je frapperai en une en lucarne. Oh là là, c'est le tournant du match, merci beaucoup. Regarde ce qui va se passer maintenant. Tu peux me checker s'il te plaît? Non, mais non, si, c'est si, regarde tout ce qui va se passer. Cadre mieux qu'avant que mes précédentes vidéos, mais désolé Kevin, désolé Alex, mais on a un meilleur gardien. Ok, moi j'ai compris son placement. Allez, c'est parti, c'est bon. Là j'annonce rien du tout parce que c'est bon. Hop là. Merci. Ok, 4-2. Elle me donne des conseils pour la battre, c'est incroyable. Oh là, t'as vraiment pas de chance. Yes! Bien joué! J'ai donné l'opportunité au gardien de me la mettre soit de façon à frapper en une touche, soit de frapper en deux touches. Ni à Elisa, ni à moi, il nous donne l'opportunité de frapper en une touche. Non, à part une ou deux fois. Il a vu à quel point ça partait fort d'un côté comme de l'autre.
depuis il met que des cloches. Mais je peux le comprendre. Il est là, il est invité chez moi, il a envie de bien faire, c'est normal. Ok. Allez, par contre. Oui, mais la barre tremble encore. Et tu viens demain à la même heure. Yeah. Elle tremble encore. Les photos ont déjà tremblé. Bon, attendez. Je vais pas célébrer, je vais rester calme. Ça fait 2 points. J'aimerais qu'on zoome GMK là tout de suite. T'avais qu'à faire tes contours. On est à 6-2. Et là, c'est la balle de match pour Vincent. Ce but compte pour 3 normalement, mais. Elle décide, ouais. Elle décide, c'est sa façon de. Hey, elle a raison. Tiens. Oh là là, c'est trop. J'arrête de jouer. Yes. On va même reculer un peu, tu vois. Jamais. C'est pas dur, ça. Oh oui. Oh. Eh, hey, mais mine de rien, non, on est à 5-3 là, hein. Ça peut aller vite, hein. Voilà pour toi. Je vais faire un truc que j'ai souvent fait sur ma chaîne YouTube et qui marche toujours, c'est d'annoncer avant. Lucarne fermée, premier poteau. Ça va, c'est pas méchant ça. Hein. Où tu vas la mettre? Frappe croisée, la droite du gardien. Ok, donc comme j'ai annoncé juste avant tu moi. Tu es à lucarne, je sais pas. Ça, ok. J'ai des yeux fermés donc je sais pas. T'as pas des yeux fermés. Il la sort. Tu vas vraiment bien bravo. Tu vas super bien la chercher. Elle l'avait annoncé que c'était ici. Elle avait dit ouais, mi-but. Elle a dit mi-but fermé en plus. Elle a dit ouais, c'est ça. 23 minutes. Mi-but, tu vas pas passer. Parce que c'est ton point fait. Oh non, putain. Je remonte. En fait, c'est ça que je voulais, arriver à 5-4. Hein, que tu sentes que tu puisses remonter. Et bam, tout de suite. Même à 5-2. Regarde, c'est maintenant. Okay. Ça y est, yes. Vous pouvez pas gagner à 5-2, les gars. Il était battu. Il casse les couilles, il casse pas. Oh, il a capté, j'ai raté. Oh le bâtard. Ça veut dire que maintenant, même une, elle peut gagner. Ah, là. Là. Là, on va peut-être essayer une ou deux en une. Donc, ce qu'il faut que je fasse. Moi aussi. Hein. Regarde, faut que je défasse les lacets. Et là, regarde ce qui se passe derrière. C'est le thème avec toi. Si je fais une chute, c'est ta faute. Moi, je défais le lacet parce que ça va frapper très très fort là. Refaire. Tu veux pas en refaire les lacets. C'est une blague. Ah, ça. Yes. Ouais. Si elle marquait en une, là, elle gagnait, oui. Je voulais faire comme ça là. Ah ouais non mais là si tu fais ça par contre moi je ferme la chaîne YouTube, je fais plus rien. Oh putain. Voilà. C'est une blague, j'ai mené tout le long. Non mais attends, il y a eu combien de barres, combien de poteaux? Non mais je suis d'accord, viens GMK, viens. Shooter d'Elisa, bravo. Bon, bravo, parce que au mental, hein. Mental elle a été, et bravo à toi. Ouais, je viens. Parce que, ouais. C'est les frappes qui me donnent envie de bien plonger. Ouais. Frapper bien, je plonge bien. Mais t'as pas plongé sur une certaine frappe La dernière là? Non, la mienne qui est partie. Ah, qui est là-bas? Non, en fait, tu vois, j'ai une explication. Tu vois, on prenait un peu trop de temps, tu vois. Ok. Donc fallait un peu. Ok. Bon, qu'est-ce que t'as pensé des frappes? Franchement, non, franchement, c'était lourd. Hein. Ouais. Bah, moi, pour moi, quand je fais un arrêt, c'est que la frappe elle est bien placée. Donc, prends du plaisir. Et bah, écoutez, victoire d'Elisa dans ce premier défi. On passe au deuxième. Ouais. Au deuxième, on va se rapprocher un petit peu plus. Ça va être une belle séance de penalty. Allez. Ok, c'est parti. Et là, je vais te poser une question parce qu'on n'a pas l'habitude de le savoir, mais ton joueur de foot préféré. Vas-y, de tous les temps. Pas forcément actuel. Sergio Ramos. Ok, ça c'est une super réponse. Bon, c'est parti. Ah, bah je vais te montrer ça après. Bon, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur les défis, les amis. Ok, premier arrivé à 5 pénalties, c'est parti. Je pense que le gardien, quand je lui ai dit ce premier arrivé à 5, il a dit ça va être long. C'est ce qu'on va voir. C'est parti. Tu commences? Bah non. Mais tu m'as laissé commencer tout à l'heure. Le dernier portugais qui a fait un pénalty contre moi, c'est Ruben Dias. Et alors? Et j'ai arrêté. Un arrière central portugais. Ouais. Et là, t'en as deux autres. Deux autres là. T'as pas Panenka. On la connaît celle-là. Mais jamais d'avis sur Panenka, je passe ses techniques. Super bien tiré par contre. Tu sais que même si tu vas là-bas. Ouais, c'est mort, c'est mort. Non, oui. Oui.
je l'ai rentré. Ça y est, il est super furax là. C'était mon lavage. Il va bien la chercher aussi. Là c'est bon, le premier c'était rigolade. Moi vraiment il peut pas rentrer dans ma tête, c'est bien joué, franchement. Ben, mais tire sur un toit en mode t'as peur ou? Là comment je commence? C'est justement être très serein de tirer une panenka. Oh, oh, c'est fort, c'est appuyé. Mais non, mais c'est fort, c'est appuyé. Non mais attention. Parce que maintenant tu sais pas où je vais aller. Bon les amis, on est à 2-1, dont deux pénaltys très très bien tirés de ma part. Et un très très, deux très très bien tirés, mais lui il a été en chercher un très beau. Parti madame de Almeida. Oh lolo. Qui s'attendait à sortir plus de vous. Les pénaltys en l'air, je peux rien dire, moi je m'en fous, ça fait. Je peux pas arrêter. Tu peux avoir un coup de sifflet? Non. Je me sens persécuté. Je savais. Je savais. Allez, 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 allez. T'as dit Caral? C'est moi qui l'attire mal. Hein. J'ai trop envie d'annoncer. J'ai trop envie d'annoncer. Je peux annoncer une Jorginho aussi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, ouais, ouais, ouais. Mais attendez, il sait pas où il en est. Mais attendez, je suis blessé ou quoi? Là, ça ferait pas avec. Il a dit, il va faire une Jorginho. On reste jusqu'à la fin sur ses appuis. Putain, il a pas bougé. Ça compte pas pour moi, mon frère. Deux, on les a mis. Au milieu, ça compte pas pour moi. Je m'en fous, dans ma tête, ça compte pas. Non, non, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Allez, à gauche. Ouais, il est énervé. C'est au milieu aussi, ça. Là, il va être énervé. Là, je vais l'emporter, là. Eh, hey, frérot. Non, y'a pas de frérot. Entre toi et moi. Non. Juste tire sur un côté. On n'est pas que toi et moi. Je te dis, hey, écoute, hein, moi, tu tires sur un côté, je te l'arrête. KBNOV, concentré sur mon ballon. J'ai parlé, hein, c'est français. C'est bon, t'as fini? C'est bon. Je te dis! Mon KJMK! Quand tu tires sur un côté, je l'arrête! Non, c'est faux ça! Voilà! Fais tes paillenka encore, c'est trop facile ça! Toi, écoute, toi j'ai entendu des grands yes, des tricheurs. Ça met des grandes frappes au milieu. Oui, sous la barre. Je triche, alors je triche. Ok. Tu te rappelles? Rate. Rate, je te dis. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre. Je vais la mettre aussi. Hors cadre. Voilà! C'est maintenant la victoire. T'es serein ou pas? Moi je suis très serein. Tu tires sur un côté ou tu as pas encore tes... Je sais pas encore, on verra. Mais 100 euros, regarde, je vais plonger, ce sera de ce côté. Regarde, viens, rapproche-toi. Là, c'est... S'il l'arrête, je me fais une teinture blanche, c'est bon? Et si je marque, tu fais une teinture blanche? Moi je vois à Salou, c'est un gamin. Si il fait pas panique, je sais. Comment il peut aller chercher ça? Pardon, j'ai gagné, pardon, j'ai gagné. Comment il peut aller chercher ça? Eh, je peux dire un truc? Ouais, tu vas faire une teinture blanche. À tirer, j'étais même pas prêt encore. Non, c'est faux. Il y a la barre, toi. Non, j'ai gueule. C'est victoire. 5-4. Donc, non, mais je la mérite celle-ci quand même. J'ai eu de l'audace, ouais, du culot, ouais. De la technique. Voilà, complet quoi. Mais bravo à vous aussi, t'as fait des beaux arrêts. Je vais jouer. Objectif de carrière, bah avoir la, tout simplement la meilleure carrière possible sans blessure. Ouais, et remporter le plus de trophées possible. Toujours collectif. Toujours collectif. Super. Bon, c'est parti, on se retrouve pour le troisième exercice. On va faire des centres reprises. Donc 10 centres. De la part d'Elisa sur moi et inversement après. Du coup, on est à une manche pour Elisa et une manche pour moi, égalité. On va déterminer le gagnant. On s'achève, oui. Un but, je suis pas fameux aujourd'hui sur les centres, mais bon, je suis plutôt content de mes frappes. Comment je suis surpris de moi-même. Hey, tout le monde s'est tué en mode, il sait faire ça lui. En fait, moi c'est ça mon problème, dès que je fais un super truc derrière, je me sens en trop. C'est pas grave,
c'est essayé. Je la prends bien. Tu l'as mise de ce côté ou de ce côté? Si je la prends bien. Non, là je la frappe pour la frapper. Ah. Il pense que je place mes balles lui. Oh là 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 là, il la sort. Bon, je la voyais vraiment dedans celle-ci. Mais moi je la voyais pas. Vu que mon but ça comptait double, je suis à 3 points. Ouais, oh là 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 là. Il y a un peu mal, je pense, au poignet quand même. Eh mais franchement je m'impressionne. Parce que ça je sais pas le faire normalement. C'était le dernier. Heureusement, c'était le dernier. Je vais me péter la cheville, les gars. Grosse qualité de centre de la part de Lisa. T'as joué ailier, toi? Latéral droit? Ouais. T'es habitué à centrer? Ouais, quand même. Ouais, parce que grosse qualité de centre, on est bien d'accord. Alors, je te préviens, j'ai joué aussi latéral droit, mais ça remonte maintenant à très très longtemps. Donc... Non, mais applique-toi. Ok, la tête ou pas? C'est bon, la tête? Tête, pied, tout ce que tu veux. Allez, c'est parti. Mets-moi la boîte pied gauche, je suis trop nul pied droit. Et ben voilà, c'est une fin de vidéo et j'ai emporté sur Elisa. Ouais, il y aura une revanche, j'en suis sûr qu'il y aura une revanche. Merci GMK, c'est la première fois que je t'ai rencontré. T'as dit quoi? Entraîne-toi un peu pour les centres. C'est vrai que les centres c'était un peu catastrophique de ma part, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les pouces bleus aussi comme on sait si bien dire. Et je vous donne rendez-vous très 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 bientôt pour la prochaine vidéo.